のためにメリオダスを殺そうと戦いを仕掛ける番。Je pense qu'on avait déjà vu cette partie-là, non? Ouais, on l'avait déjà vu. Ok, ils sont juste en train de réexpliquer comme d'habitude, là. Ouais, il est mort. Je m'attendais pas à ça. Ben, oui puis non. Je pensais juste pas qu'il allait mourir de cette façon-là, plutôt. Yo, le pire, je peux pas croire que l'autre, il arrive à esquiver aussi facilement juste avec des petits coups, genre. Des petits moves, plutôt. Ouh, yo, ils étaient vraiment en train de lui mettre une raclée, hein. Alors qu'il est censé être très très fort. Oh, en plus, il y a cette affaire-là. Comment ils vont faire pour se débarrasser de ça? Mort ou vivant, plutôt? C'est ça, c'était lui, je m'en doutais. Donc c'est lui qui a tué Eren. Ou Hélène, je sais pas comment on essaie de prononcer son nom. Oh. Puis lui il fait rien, on dirait, malgré le fait qu'il est immortel. C'est vrai maintenant que j'y pense. C'est vrai parce que franchement, après que Hélène soit morte, c'est sûr qu'il s'est débarrassé de l'autre là. J'avais complètement oublié ce détail. Mais quelque chose me dit que ça va pas être aussi facile que de juste le tuer parce que là, je sais pas moi, il a l'air d'être devenu un big boss là, genre le gars là. Hendrickson, genre avec le sang de démon qu'il a avalé. Quoi? Parle d'Hendrickson là ou... Non, ça doit être l'Hendrickson parce que l'autre là il est encore en haut. Évidemment, c'est chien pour elle. Seul moment où elle a pu rentrer, c'était quand elle était dans le stade. Ben, c'était un stade. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Je sais. Comment il fait pour voir? Quoi? Et c'est quoi le but qu'il attend de nowhere comme ça? Quoi? C'est quoi ça faire là? Hein? Quoi? Oh, donc c'est lui le vrai démon qui s'utilise, pas l'autre. Enfin, je pense, je sais pas. Oh, ok, il a pas encore testé. Yo, il est complètement fou. C'est même pas qu'est-ce que ça va lui donner. Uh-oh. Et ça te l'apprendra aussi. T'es malade d'utiliser ça comme ça. Il aurait pu le tester sur quelqu'un d'autre avant. Bon, quoique je le conseille pas parce que je suis pas son allié. Oh, c'est quoi ça? The fuck? Qu'est-ce qui lui arrive en ce moment? Ban!
Qu'est-ce que ça veut dire? Shit, là il ressemble vraiment à un démon. Oh. Oh non. Là, je sens que ça va être encore plus corsé le combat. Ouais, c'est lui. Ça fait les qui avale ces petites gouttes. Mais moi, la fois que je catch pas, c'est comme. Oh, mais il est encore plus dangereux, à mon avis. Mais moi, la fois que je comprends pas, c'est pourquoi à un moment donné, il était tout un blanc. On aurait cru un ange. Quoique, on dit que des fois, les démons, c'est en fait des anges déchus, là. Mais bon, je veux pas rentrer dans les détails, là. Ça dépend pour chaque religion. Oh! Es-tu vraiment mort, le gars? Tu fais couper la tête! Oh Seigneur, c'est pas vous qui allez l'empêcher de faire quoi que ce soit. Je pense qu'il va vous casser votre gueule. Et aussi, si j'étais vous là, je m'enfuirais. Yo, il reste comme si, comme ça, comme si ne rien n'était. Oh. Oh. Yo, fais attention à ça. Ou plutôt à lui. J'ai un mauvais pressentiment. Yo, fais attention pour de vrai. Si c'est si facile de le tuer là, je pense que les 7 péchés auraient fait quelque chose. Ou ils ont été en mesure de faire quelque chose. Elle est toujours capable d'utiliser ses pouvoirs malgré le fait qu'elle a perdu le son de démon qu'elle avait. Ben, je sais pas si elle, elle l'a perdu en fait. Je pense que ouais, je suis pas sûr. Et elle, la belle au bord dormante, elle est en train de dormir. Ben, vous pensez qu'il a changé de forme pourquoi là? Pour faire plus joli? Vous aussi? Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, ils vont se faire tuer, honnêtement, s'ils restent. Oh! Ne me dis pas qu'il est mort là. Ça, c'est si c'est les péchés qui s'en occupent, ça me dérange pas. Mais pas les autres. Les autres, je sais qu'ils pourraient se faire tuer. Oh shit, qu'est-ce qui se passe? Le petit cochon, c'est triste. Pauvre lui. Oh! Yo, attends, c'est-tu vraiment y a-tu vraiment protégé? Oh waouh, ne me dis pas qu'il est. Non, il est pas mort, il est pas mort. Il peut pas être mort, genre. On s'entend, c'est quand même le personnage principal. Ils vont nous faire un coup comme dans Attaque des Titans. Genre avec Eren? Ouais, c'est ça au début de la première saison. C'est sérieux là? Yo, mais il va mourir pour rien alors si tu fuis pas, ma chère. Puis c'est tellement contradictoire. Et c'est pas elle qui a longtemps qui. Il y a quelques instants qui disait fuyez tous. Là maintenant, quand c'est elle, le moment de s'enfuir avait pas. Quoi que je comprends là, elle veut pas laisser Meliodas. Oh my god.
Comment tu pourras le tuer s'il est déjà mort? Elle s'en fout. Tu penses pas qu'il s'en fout en passant là? Mais fais quelque chose! Invente un pouvoir magique là si tu veux sauver Meliodas. Oh! Il arrête de dire des conneries là. Comment tu vas le sauver? C'est ça! Mais t'as même pas de pouvoir! Non, dis pas ça, yo, je l'aime bien en plus. Non! Yo, ne me dites pas que Hank est mort. Yo, dites-moi que c'est juste une joke là. C'était mon personnage préféré. C'est un de mes personnages préférés. Non. Non. Yo, c'était plus que de la nourriture là. T'es mieux de te taire pour le voir toi. Je l'aimais bien pour de vrai. Ben, en même temps, c'est lui qui s'est interposé, mais quand même. Chat, sérieux, c'est la mort de Hank qui le fait réagir de la sorte? C'est quoi? De quoi? C'est qui fait ça alors? What? Ok, mais d'où elle sort cette lumière? De nowhere, ça peut pas être Meliodas. Je pensais que c'était un démon, non? Yeah. Yo, c'est pas Elisabeth qui fait ça? Comment? Yo, pendant tout ce temps-là, elle avait... Mais je me disais parce qu'elle foutait rien là pendant toute la série. Ben, toute la saison plutôt, mais... Moi, ce qui m'impressionne, c'est que... Comment c'est qu'elle le réalise, puis les... Personne d'autre a réalisé... Puis elle est encore en vie, elle! Waouh! Mais pourquoi t'es pas venu? Bah, je sais, ils ont voulu garder ça en cachette là. Prêtresse druide? Oh! Donc elle est. Elle fait partie d'un clan. Du clan des druides ou quelque chose dans le genre? Je sens Vang si tu es capable alors. Dans le temps, j'imagine. Quand il avait ses cheveux comme ça là. Après, quand il a changé de coupe là, il est devenu méchant. Rien de si impressionnant, là, ça m'étonne même pas. Et quand il parle, on dirait que c'est même pas... Exact, c'est pas lui. Et dire qu'elle allait empirer les choses si elle s'était sacrifiée.
Non, je suis sûr que son pouvoir pourra protéger quelque chose. Ou pourra y faire quelque chose. Et c'est incroyable que c'est elle qui fait quelque chose pendant tout ce temps-là, alors que jusqu'à maintenant, elle avait rien foutu de sérieux, genre, au niveau des combats. Puis le Meliodas, il fait même pas quoi que ce soit, alors que c'est lui qui s'est battu pendant tout le long. Allez, débarrasse-toi de lui! Oh, ça veut dire que Hank va revenir à la vie, enfin j'espère. Les autres sont en train de revivre, mais lui, il est encore noir là. Non, c'était stupide parce que c'est lui qui est le plus proche d'elle, puis c'est les autres qui reviennent avant. Maintenant que tu réalises. Puis où Hank? Moi, je m'inquiète de lui là. Ben oui. Comment tu peux pas remarquer que ça vient de toi? Non, pourquoi? Je comprends pas, yo, c'est chien. C'est parce qu'elle avait pas assez de pouvoir. Bah, là, le vrai combat va commencer, j'imagine. Je sais, c'est comme si on repartissait presque à la case départ. Presque. Parce qu'on a quand même perdu Hank, puis certaines personnes aussi, là. Shit, on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui est en lui. Yo, ne te laisse pas faire! Oh! Ouh, ça a dû faire mal, non? Ou peut-être qu'il a rien senti, je sais pas, non? Sérieux? Ouais, mais en même temps, lui, il est plus fort. Je sais pas. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié l'épisode.